On a vraiment décidé de faire une exposition thématique sur la nuit parce qu'on trouvait que c'était un thème universel. Donc, tout le monde a un rapport bien particulier avec la nuit. Qu'on soit, par exemple, un couple avec un jeune enfant qui va nous réveiller à toute heure, qu'on soit insomniaque ou qu'on soit des travailleurs de nuit, par exemple. Donc, on trouvait que c'était un thème intéressant pour faire vivre la collection. Puis, en même temps, c'était vraiment une belle occasion de présenter les œuvres autrement, parce que la nuit, finalement, elle fait appel à nos sens. Donc, on est vraiment plus attentif à ce qui nous entoure, on est plus intuitif. Donc, on voulait trouver une manière, justement, d'aller solliciter l'intuition de nos visiteurs. On dit en moyenne qu'un visiteur, lorsqu'il regarde une œuvre d'art, il va passer peut-être 3 secondes. Donc, l'idée ici, c'est de ralentir, d'essayer de vraiment ralentir tout ce qu'il y a autour de l'exposition, faire ressortir les œuvres de la noirceur. Donc, évidemment, juste le travail de la lumière, ça capte notre attention et on peut pas... On dirait qu'on prend un peu plus le temps de regarder ce qui nous est donné à voir, de réfléchir, par exemple, qu'est-ce que ça nous fait... est-ce que ça interpelle nos souvenirs, par exemple, personnels, cette œuvre-là? Donc, c'est une autre approche.